Match numéro 5. C'est gagné par Lacroix. Demers avec la rondelle. Et frappé par Malouin. Oh oui, Demers, il était sonné sur la séquence. Cloutier qui s'amène. Coup d'épaule de Michael Réaume sur Bouc. Bon coup d'épaule. Et frappé. Paré qui reprend. Paré tente la passe, c'est raté. Paré contre Caouette. Paré qui fait bien devant. Tire le but! Oh, oh boy! Quel but! Et quel jeu là, du côté des Éperviers. Quelle protection de rondelle pour ensuite remettre ça dans l'enclave. Et le coup, l'FM qui se fait prendre au piège. Ligne rouge. Fin. Tout seul. Tifu. Tire! Arrêt! Verret! Tire! Quel arrêt, Gélina! Il y en a volé un. Wow! Quel arrêt, Gélina! Renvoie à Ouimet. Ouimet. Tire! Malouin. Tire! Arrêt d'Auger! Lacroix qui renvoie jusque... Passe pour Veillette. Veillette à 3 contre 2. Veillette avec Gagnon et Paris. Veillette pour Gagnon. Gagnon tire! Le but! Mathieu Gagnon! Et quelle passe du revers de la part de Veillette. Une passe soulevée du revers, Jean-Michel. Une sauce du revers qui atteint directement son coéquipier. Wicked toujours. Wicked. Feinte. Contourne le filet. Et on va chasser Simon Demers. Remet à Ouimet. Ouimet tire! Oh, le but! Ça a dévié devant le filet. La rondelle qui a changé complètement de direction et ça passait à la droite du gardien Auger qui ne voyait rien non plus. 3. Hudon passe pour Veillette avec Gagnon. Veillette toujours vert. Tire! Arrête Gélina! Belle arrêt de Gélina. C'était pas évident. Il y avait quand même un joueur là, tout près. Tire, ça dévie deux fois dans les patins de Malouin. Et Paré qui repart à 3 contre 2. Paré avec Hudon et Veillette. Paré qui remet à Hudon. Hudon pour Paré. Tire le but! Demain à Demers. Demers tire pour Cloutier, tenter la déviation, s'arrêter. Chagnon tire, arrêt, on est libre. Le but! Est-ce que c'est Cloutier ou Chagnon? Je pense que c'est Chagnon qui a frappé la rondelle au vol, Jean-Michel. Et bien, ça sera deuxième pour Maxime Chagnon. Et un gros. Quel jeu! Et Durocher face à Chagnon. Et Chagnon et Bouc, là, ça. Il va que le coup. C'est parti, là, puis l'autre qui est là, Cloutier aussi. Réaume qui est allé défendre un coéquipier. Et là, Chagnon. Bouc qui veut s'en prendre à Chagnon. Il est entré un peu dans la peau là, de Bouc. Il était de même toute la soirée hier. Et ça se poursuit entre Bouc et Chagnon. Et on fait le signe de la poule du côté de Bouc. Oh, et Chagnon qui a frappé dans la baie vitrée. J'ai l'impression que ces deux-là, on va les revoir. Si la fin. Si la fin du match. Bon. Et on part à l'attaque du côté des Éperviers. C'est Wicked, entre dans le territoire, ligne bleue. Remet à Malouin, Malouin. Pour Wicked, Wicked tire, ça rate, on est libre et le but, Malouin. Écoute, il y avait une mêlée devant le filet, mais quel jeu du côté des Éperviers là, en entrée de zone pour créer cette chance de marquer là. Jérémy. Pas positionné au bon endroit pour obtenir le retour. C'est sûr que c'est dur d'anticiper le retour, mais. Verret, laisse pour Cloutier. Cloutier pour Verret. Verret, fin de tir. Le but! Anthony Verret! Et l'avantage numérique qui donne un but, Jean-Michel. Un bon tir d'Anthony Verret du côté rapproché qui va battre Gélina. Ligne bleue renvoie derrière Auger. Pince, devant pour Paquet Boudreau. Tire. Est-ce qu'on a raté? Du Rocher. Tire. Rondelle libre, quel arrêt d'Auger sur Bilodeau. Il vient d'envoler une, Maxime. Oh que oui. Récupéré, Bouc. Oh, bon coup d'épaule sur Olivier Hince. Gouvernement. Cloutier va tenter de la sortir. Oh, oh s'est fait frapper, mais... Ah, quand même, bien encaissé. Ouais. Qui coupe la passe. Et Réaume qui pourrait s'échapper. Réaume fait ça. Réaume, tire. Oh, quel arrêt de Gélina qui vient de garder son équipe dans le match parce que ça aurait fait mal ce cinquième but-là. Réaume face à Gélina. Réaume, tire. Quel arrêt encore une fois de Gélina qui... Bon, qui vient frapper Réaume. Bon, et le Cloutier qui veut y aller avec... C'est Ouimet. Et le Cloutier qui vient frapper Ouimet. Ben écoute, ça fait longtemps... depuis le début de cette série-là que Kevin Cloutier le voulait. Ça fait longtemps que ces deux-là se cherchent là, depuis... Lacroix pour Gagnon. Gagnon qui s'amène. Fin seul Gagnon. Fin, tire. Oh oui. Quel arrêt ça... La rondelle qui a longé la ligne des buts. Et Malouin qui a frappé Verret solidement. Devant Demers qui récupère. Demers va lober dans le centre. Et attention. Tifu qui s'amène fin seul. Face à Gélina. Tifu. Fight-il. Le but! Yannick Tifu! On a fait la bombe du côté du coup l'avait, mais Yannick Tifu qui était isolé derrière le défenseur. Et la rondelle qui est tombée directement devant lui.
Il a réussi à déculoter carrément Angelina. Pour l'avantage numérique des Éperviers. Parker Boudreau. On va chasser Bruno Caldeni. 5-3, 6-34. Parker Boudreau, fin de tir à Heinz. Tire! C'est bloqué par Caron. Wow. À Parker Boudreau, à Heinz, à Parker Boudreau. Tire! Arrête au gère, on est libre! Et je pense qu'on a réussi à garder cette rondelle en dehors. Passe à Wicked, Wicked qui ne peut tirer. Wicked tire, arrête au gère! Ils sont découlés, Jean-Michel. Arrête, on est libre! Et c'est Paris qui s'adonne! Pinceau, Francis! Face à Gélina, Francis! Fait, tire! Oh, la rondelle a sautillé! Ça a raté la cible! La croix qui laisse à Tifu. Tifu tire le but! C'est 6-3! Bourque qui veut y aller avec Chagnon. Kennel avec la rondelle. Et Bourque qui vient jumper Chagnon et ça ne passera pas de même! Et Chagnon qui s'en tire bien. Aussi, là, tantôt on a vu Ouimet et Cloutier. Là, c'est au tour de Chagnon et de Bourque. Ligne rouge renvoie derrière les défenseurs. Et Kawek qui vient de frapper Tifu. Mêlé qui va éclater. Et c'est le geste. Malouin qui est là. On va régler des comptes. Malouin sur le dos. Au grand plaisir de la foule. Et là, Mêlé qui vient de prendre Pilolo. Quel match de hockey, je vais le répéter encore une fois. Du côté des deux équipes, là, on s'est bien battu tout au long du match. Et le Cool FM qui va croiser le fer, comme tu as mentionné, avec les pétroliers. Et ça, ça promet, on parle de robustesse, là, mais... Merci aux fans des Éperviers aussi pour cette saison. Merci d'avoir suivi votre équipe partout dans la Ligue. Et on se revoit l'année prochaine. Marque finale, 16h06, Éperviers. 3, le Cool FM qui remporte cette série. 4-1. Bonsoir.